Toi qui croyais avoir tout vu, tous les gouvernements l'avaient eu. Encore un ministre défaillant, Olivier Véran. Il trouve que les Français sont cons, parce qu'ils suivent pas les restrictions. Y'a un nouveau qui est dans le rang, Olivier Véran. Après Macron, c'est Bachelot, Jeannot qui sait qu'a le gros lot. Qui sait qui va être emmerdé et qui va rester couché? Ben c'est Véran, Olivier Véran, qui veut que tout le monde se déteste et qui veut que tout le monde se teste. On s'aperçoit mois après mois, ils font ce qu'ils veulent de toi. Pas besoin de choisir ton président, on l'a fait pour toi il y a longtemps. Mais c'est Véran, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, l'exemple de tous les Français, disait que jamais on l'écoutait, qu'on risquait de tous l'attraper. Finalement des leçons données, faut aussi te les appliquer. Ils tous Véran, positif Véran, pour un ministre de la Santé, tomber malade c'est le bouquet. Comme si le ministre de l'Intérieur se retrouvait à l'extérieur. Comme si Roselyne s'occupait pas des artistes, ça c'est le cas. Mais on parle de Véran. Bon rétablissement. Si toi aussi tu l'as chopé, si toi aussi tu es isolé, abonne-toi, ça va t'occuper. Et viens nous voir en spectacle, enfin quand tu seras soigné quoi.